t'es belle, mon cœur, avec ton manteau. T'es une femme, waouh. Montre comment t'es belle. Oh, qu'est-ce que t'es belle avec ton manteau qui vient de chez Jiffy que j'ai acheté l'année dernière. Oui, qui t'y va toujours. Bah oui, t'y va toujours parce que t'as pas grossi. Enfin, un petit peu quand même, ma chouquette. Oui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog, nouveau retour de course. On en a eu pour 110 euros. On a acheté pour faire des sushis, du saumon, tout ça, des brochettes, des bœufs fromages. Donc ça a coûté vraiment cher, ça coûte plus cher qu'un resto limite quoi. Ouais. Mais au moins on a plus de sushis, on a plus de bœuf fromage. Ah je vous ai pas montré, on a enfin enlevé tout ce qu'il y avait, enfin on a mis le Noël à la cave. Donc il y a un peu plus d'espace, malheureusement bah nous avons le linge qui a pris cette place là. Donc je peux pas en profiter de ma petite déco. Bon je vous reprends, on a filmé une vidéo là avec mon copain, on a gratté des trucs à gratter, on a gagné beaucoup d'argent. Je suis pas contente, donc vous verrez la vidéo prochainement. Donc là, oui, je vais vous montrer les courses. Il n'y a plus de lumière, je suis désolée pour la luminosité. Mais le ciel est magnifique, je vais vous le montrer. Regardez comme c'est beau. J'adore ce ciel. Donc là, on est en train de faire les brochettes. Je vais vous montrer ça. Donc il a bien galéré, même beaucoup. Et la brochette est assez... Non, tu montes la pire aussi, celle-là. Ça va bien. Ouais, elle est bien celle-là. Ça va bien, hein. Elles sont un peu voilà, mais ouais, c'est bien mon cœur. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au niveau des courses. Alors, des avocats prêts à déguster. Alors, je ne sais pas s'ils sont, quand je les ai touchés, ils étaient très durs. C'est pour les sushis. Ensuite, je vous avais montré ça ou pas. Au marché, j'ai pris des bananes, j'ai pris des kakis, j'ai pris des poires. Là, j'avais déjà des oignons. Là c'est le chantier comme vous pouvez voir. J'ai pris ensuite des litchis, donc c'était 4,49€ le kilo, j'en ai pris un petit peu. Et c'était pas ouf mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris des yaourts au chocolat comme ça, je les adore, ils sont super bons. C'est les petits pots comme ça. Et j'aime pas la marque La Laitière, je préfère la marque de Carrefour et je sais pas pourquoi, ils sont meilleurs je trouve. Ensuite j'ai acheté 4 Tropicana avec pulpe, donc j'en ai pris 4, c'est de 1 litre. On a pris des avocats comme ceci. Les premiers prix, c'est 2,50€ les 3. Ils sont bien parce que quand ils sont mûrs, bah faut les manger tous les 3 en même temps. Donc c'est pratique. Nous, il y avait moins 60 sur le deuxième produit de la marque Suzy One, je crois. Donc on a pris 2 soupes miso. On a pris de la sauce pour les nems. On a pris une petite bouteille. Et on a pris une grande bouteille de la sauce soja sucrée de la marque celle-là. Suzy One. On a pris 3 pamplemousses. Oh là le bordel. J'ai pris... Oh là là, ça a dû couler. J'ai pris de la viande. On a pris aussi ça pour faire les teppanyaki. Les teppanyaki. Les brochettes. Teppanyaki, c'est quoi? Ah, c'est les trucs sur la pierre, ouais. On a pris ça. On a pris des perles de lait. C'était le troisième au père. Donc j'en ai pris un au citron, un à la coco et un à la vanille. On a pris du lait. Après on a pris ça. C'est de la pâte à cookies. J'en voulais de fou. Et mon compagnon en a pris un pour lui. Donc comme ça il n'y a pas de pas de jaloux. On a un chacun. J'ai pris des tomates cerises à 2 euros. Donc voilà, j'espère qu'elles seront aussi bonnes que celles de chez Costco. On a pris du, comment ça va, du masdame. Donc c'est ce qui permet de faire les bœufs fromage. Donc on essaie de les faire nous-mêmes. Mais je vous avoue que je préfère ceux du restaurant. Ensuite on a pris de la raclette. 3 trucs comme ça, le troisième est offert. De la gamme Entremont. Donc j'ai pris ça en croûte et un autre truc avec saveur. Je sais plus ce que c'était. Ça c'est du saumon. Franchement ça coûte cher de faire les sushis. Parfois vaut mieux aller directement au restaurant. Franchement pour les formules de midi à 12 balles. Ça coûte déjà 16 balles, hein, donc c'est très très cher. On avait pris des poireaux aussi, on avait pris 4 poireaux la dernière fois, on a fait des poireaux à la crème, ça c'est ma soeur qui m'a montré ça. J'ai pris des haricots verts, j'ai pris des champignons, j'ai pris des courgettes. T'as fait toute la viande? La viande à 12 balles là. Donc là les teppanyaki, les brochettes, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour 16 balles. Qui a dit que c'était pas cher de faire soi-même? Donc ça coûte très très cher. Maman, à faire soi-même, ça coûte très cher. Ce qui nous a coûté hyper cher, c'était vraiment le saumon et tout le bordel en fait. Ça nous a coûté, allez, ça fait déjà 17 balles. Ouais. Le tout, au moins 50 balles. Ouais, mais j'ai gagné 30 euros. Non mais 50 balles, on aurait pu aller au restaurant, franchement. Non mais moi, je comprends pas les gens qui veulent faire soi-même. Ils disent ça coûte moins cher. Bah non, ça coûte plus cher, excuse-moi. Ah oui, on a appris ça aussi, bah oui, parce que de l'algue. Du riz à sushi et tout ça, ça coûte une blinde en fait. Je comprends pas, vraiment je comprends toujours pas les gens qui disent que ça coûte pas cher. Hein. Ça coûte super cher à faire, je suis désolée, pour moi c'est un gros flop. On a dépensé la moitié du budget pour un repas.
Ça fait la course de la semaine. Et j'avais oublié de vous montrer ça, on a acheté de la glace, donc de la glace à la poire. Ça j'en voulais depuis tellement longtemps, il n'y avait que la marque Carrefour, donc on a pris ça. On a pris ensuite des extrêmes, les cornets comme ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé des glaces comme ça, donc ça va me faire ça va me faire du bien. Et ensuite mon copain il voulait ça, donc c'est du Toblerone glacé, voilà. Donc on s'est fait un petit plaisir. Bon bah voilà pour ce retour de course, c'est un peu un flop entre guillemets, mais bon moi il aura tenté, il aurait été content. La prochaine fois vraiment je saurais que les brochettes à Costco là à 50€, les 150 je sais plus combien là, c'est rentable. Donc voilà, il va falloir acheter un peu de viande pour cette semaine vu que là on en a quasiment plus. Et voilà pour ce retour de course, maintenant on va aller voir pour manger les sushis. Parce qu'on a acheté du saumon, etc. La dernière fois, on avait acheté du saumon à Auchan. On avait fait les sushis. Et c'était dégueulasse parce que le saumon, il sentait la vase, en fait. Les algues, les trucs comme ça. Genre, ça, c'était dégueulasse, vraiment dégueulasse. Le riz était un peu trop vinaigré. Mais c'était vraiment dégueulasse. Donc, c'était immangeable. Donc là, il a trouvé la technique. Il faut qu'il gratte un peu plus le poisson, je crois. Normalement, ça devrait être bon. Alors, les deux zouaves, là, les deux zigotos. Bichette qui sent le poisson. Oui, c'est bon le poisson. Voilà, c'est bon le poisson, vrai. Juliette, elle est folle. Elle veut du poisson. Mais ce n'est pas bon pour toi, Juliette. Et le saumon, il est hyper bon. Ça n'a pas un goût de base, donc je sais pas si c'est tu l'as râpé ou pas. Parce que celui d'Auchan était vraiment fou. Ben, je l'ai gratté et puis il est un peu deux fois plus cher que celui d'Auchan. Sachant que c'est du cœur de saumon. Non, mais je suis fière de toi, mon cœur. Moi, j'en brûle pas une, hein, parce que sinon je me fais enlever. Je voulais avoir enlevé la peau, par contre. Bon, mais je te laisse faire ou tu veux que je t'aide? Ben, là, tu vas pouvoir m'aider, je... Après, ouais. Je veux que tu fasses les choses bien. Oh non, je vais me faire engueuler. Je m'en vais à reculons. Si tu fais les choses correctement et que tu te concentres au lieu de te précipiter pour pouvoir lever le plus vite possible, pour pouvoir manger le plus vite possible, ça sert à rien. Si tu veux m'aider pour m'aider et faire les choses bien, tu peux le faire. Je retourne là-bas, au revoir. Ouais, bah ouais, mais dès que je fais un truc, tu m'engueules. Parce que tu fais n'importe quoi. J'aime pas cuisiner. Bah oui. Parce que tu le fais mal. Si tu fais les choses bien et que tu te concentres, je n'ai pas de raison de t'engueuler. Hein. On dirait que je suis dans la cuisine de Philippe Etchebest. Bah non. C'est cauchemar en cuisine, tu sais. Et que tu m'engueules parce que je coupe mal dans le mauvais sens, que je prends mal mon couteau c'est et tout. Ça, mais même mon père, il était scandalisé quand je lui dis ce que tu faisais en cuisine. Quand c'est tu coupes, bizarre. Quand tu coupes des champignons. Mais je peux le couper comme je veux, mes champignons. Tu fais n'importe quoi quand tu les coupes, ça cuit pas de la même façon partout. Mais je m'en fous. Bah non, parce que tu vas avoir une partie des champignons qui seront cuits, d'autres qui seront pas cuits, de machin. Les trucs régulièrement. Si tu veux faire des gros morceaux, fais que des gros morceaux. Mais fais pas, je m'en bats les couilles et ça fait des petits morceaux, des gros morceaux, des moyens morceaux. Après, c'est chiant quand tu veux les manger. Parce que t'as une partie qui croustille parce qu'elle est pas cuite, et l'autre partie qui est trop cuite. Non mais sérieux. Bon, vas-y, bah retourne, au revoir. Mais moi j'aime pas cuisiner, hein. Moi c'est. Je déteste ça. Hein. Plus vite ça se cuisine, plus vite ça cuit, mieux je me porte, hein, je vous le dis. Ah non, moi la cuisine, la pâtisserie j'adore, mais la cuisine les gars. Oh, no way. Je crois que vous êtes pas prêts. Hein. J'ai trouvé un cuistot. Comment on appelle ça les gens qui font les sushis? Un sushiman? Regardez cette beauté. Mais regardez ça. C'est parfait. C'est net. Et c'est super bon. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai cru que j'étais au restaurant. C'est très bien mon cœur. Franchement, je suis épatée. Oh, non mais regardez-moi ça. Cette... Mon mec est maniaque. Hein. Ça se voit, je pense. Bon bah moi je me suis fait un petit bowl. Donc un petit peu de riz, du saumon, avocat et maïs. Et je vais vous montrer la beauté de ces sushi maki californiens. Pas... Non mais vous vous souvenez de ma gueule ou quoi? Non c'est vrai. Genre, la tranche de saumon au-dessus elle est trop petite, enfin elle est trop fine. Bah, oui. Le riz autour il y en a trop. Bon bah, je vais bien manger, merci mon cœur. Ça fait 3 heures que t'es dans la cuisine. Il reste un peu de riz, comme ça demain ce sera un autre bowl. Donc voilà pour les magnifiques sushis, maki sushi California. Je suis fière de toi mon cœur et ils sont super bons. Donc bah voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Elle était un peu désordonnée mais bon, ça me représente très très bien. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans cette vidéo qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.